Vainqueur des élections territoriales du 23 janvier 2022, le maire de la commune de Goudomp, Malem Vieux-Cissé, et ses trois adjoints, que sont Khady Diallo, Mamadou Lamine Badji et Mamboy Manga, ont été installés vendredi 10 février 2022 par le préfet du département, Ibrahima Fall. Tout s'est déroulé dans un esprit d'unité et de cohésion. Nous avons installé sans difficulté le bureau municipal avec l'élection de ses trois adjoints. J'ose penser que nous avons procédé au bon choix pour Goudomp. L'objectif, ensemble avec le maire et le conseil municipal, c'est essentiellement d'améliorer les conditions d'existence des Goudompois dans tous les domaines. C'est cette tâche-là qui constitue la nôtre. Et c'est celle-là que nous allons poursuivre les 5 années durant. Je dis merci à l'ensemble des conseillers municipaux de Goudomp qui, à l'entame de ce nouveau mandat, ont bien compris les enjeux pour le prochain mandat. Ils se sont tous engagés à accompagner le maire dans la tâche difficile de conduire les destinées de cette localité. Je sors de cette installation avec un sentiment de joie et d'espoir. De joie parce que le conseil municipal de Goudomp, j'allais dire Goudomp, s'est retrouvé autour de l'essentiel pour choisir, pour élire. C'est un sentiment d'espoir parce que j'ai pu noter l'engagement des uns et des autres, de tout le conseil municipal. J'ai pu mesurer la pertinence des choix des adjoints. Pour ces différentes raisons, j'ose espérer que le mandat des 5 années à venir sera un mandat de réussite pour Goudomp. Pour ces 5 prochaines années, les 4 élus s'engagent à défendre le travail pour améliorer les conditions de vie des Goudompoises et des Goudompois. J'ai résumé la mission fondamentale du conseil municipal pendant les 5 années à venir, c'est d'améliorer les conditions d'existence et de vie des Goudompois dans tous les domaines. Il faut faire en sorte qu'on ait un Goudomp du renouveau. Et il y a beaucoup de secteurs qui nous attendent, où les préoccupations nous interpellent. Ensemble avec ce conseil municipal-là, j'ai le sentiment d'espoir que nous réussirons la tâche. Je suis porté à la tête de l'institution municipale pour présider pendant 5 ans les destinées de la commune. Je veux le faire et le réussir dans un mouvement d'ensemble, d'unité et de cohésion. Nous avons besoin de tous pour construire Goudomp. Pour ma part, je l'ai dit et je l'ai redit, je le réitère ici, j'exprime ma disponibilité à l'endroit de tous les Goudompois. Je me fais la force depuis 2 ans d'être à l'écoute de tout le monde, sans exception. Je continuerai dans cette voie d'être à l'écoute de tous. Pour changer Goudomp, nous en avons besoin. Nous avons besoin de toutes les compétences, de toutes les forces vives de Goudomp, sans exception. La politique ou la compétition électorale, elle est dépassée aujourd'hui, elle est derrière nous. Donc bref, c'est le message d'unité et de cohésion que je lance encore une fois au Goudomp. Cette cérémonie d'installation a noté la présence d'une forte délégation venue de la Guinée-Bissau. Selon l'édile de Goudomp, cela a d'importantes significations. J'ai pu amorcer un partenariat dans le cadre de la coopération d'entraide avec la République sœur de Guinée-Bissau, où j'ai été au mois de juillet dernier, en 2021, reçu par le président de la République pour jeter les bases d'un partenariat entre Goudomp en particulier et la République sœur de Guinée-Bissau. Cette initiative a trouvé un écho favorable auprès du président de la République de Guinée-Bissau. Il y a beaucoup de choses qui se dessinent à l'avenir entre nos deux pays. Après cette victoire, j'ai décidé d'inviter le président de la République pour assister à cette cérémonie d'installation. Il a tenu à se faire représenter par Madame Adama Baldé, conseillère aux affaires sociales à la présidente de la République de Guinée-Bissau, qui nous est arrivé avec un message fort du président de la République. Un message de félicitations et d'encouragement. Un message qui réitère son engagement à accompagner la commune de Goudomp dans le cadre d'un partenariat. C'est le plus proche voisin. Il faut installer ou instaurer un climat de paix et de sérénité. J'ai dit tout à l'heure, nos deux peuples sont unis par le sang, par la culture. On partage les mêmes valeurs.
Son arrivée ici, sa présence ici à cette cérémonie d'installation constitue la plus grande joie de ma journée. Ainsi, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à Goudampe, une ville qui mérite vraiment l'expertise de toutes ses filles et de tous ses fils pour bâtir son développement durable.